Voilà, on va rocker, je vous l'ai dit, ils sont parmi les quatre groupes montpelliérains remportant la compilation, le Grand Prix Rock de la ville de Montpellier, qui sort le disque, on en parlera tout à l'heure, sort la semaine prochaine. Ils sont nos invités ce soir et après ils vont venir nous rejoindre. C'était cet après-midi dans les studios de Télé-Soleil, je vous dis pas, le téléphone n'a pas pu marcher, on n'entendait plus rien parce que ça va rocker dur, c'est donc Electric Buttocks. Les foufounes, pourquoi vous en saurez? À la guitare, Bu. À la batterie, Nico. À la basse, Push. On va pour Fuck You All the Way. Yeah. All the Way. Fuck You All the Way. Yeah. C'est parti. Electric Buttocks, donc cet après-midi dans les studios, avec donc Bu à la guitare, Nico à la batterie, Push, à la basse, j'ai dit Push. Bu, un petit mot, c'est là que j'ai dit Sainte Foufoune aujourd'hui, c'était pas du tout innocent parce que. C'est la traduction de Buttocks en fait. Buttocks, oui. Pas en français. Foufoune, c'est pas en français, c'est en québécois. Mm-hmm. En québécois, on dit la foufoune. Voilà, pour dire les fesses, parce que Buttocks, c'est. Ah les oui, attention, fesses, ne confondez pas. Il y a foufoune et foufoune, là c'est foufoune fesses. Et électrique ça veut dire électrique. Oui. Donc les fesses électriques, ça, voilà, veut, dire, ça veut dire tout de suite, on a vu un morceau court d'une minute trente, mais dans son entier, c'est dire rock dur, rock, non pas rock, bah dur aussi, on peut dire dur. Oui, oui. Hein ouais, c'est votre volonté, c'est votre envie Oui, tout à fait, oui. Qui vous vient. Non, mais c'est ça. Plus c'est dur, mieux c'est. Mm-hmm. Voilà. Meilleur c'est. Avec Composition Yourself, vous-même on compose tous, on est trois, on compose tous les trois, on chante tous les trois, on fait tout ensemble. Alors, cette aventure, par exemple, Nico, de la compilation, ça s'est passé comment? Compilation, donc tous les ans, il y a une compilation rock de la ville de Montpellier, Grand Prix, hein, et vous étiez quatre groupes qui l'ont emporté. Il y avait combien de groupes en liste? Combien de groupes en compétition? Un peu plus, combien vous étiez? Ils ne savent plus. Hein? T'en fous. Quoi? Non, je ne sais pas. Combien il y avait de Au départ. Je ne sais pas, des Montpellierens, des groupes en ce moment. Ceux qui ont joué le dernier. Mm-hmm. Alors, dernier. On était 8. 8. Il en reste 4. Donc, vous êtes dans ces 4-là. Nous aurons les Choupins, on dit tout de suite, vendredi avec nous. Il y a des contacts comme ça entre groupes où chacun fait son petit truc dans son coin. Comment on se connaît? Oui, non, mais je veux dire, ouais. Payé. Hein? Non, en fait, chacun son truc dans son coin, mais bon. Et on se voit souvent. Et on peut dire que Push Push est là ce soir, il devrait être pas là, il est resté exprès, il devrait être à New York. Pourquoi il va à New York? Est-ce que mon pied, ça me gonfle. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive alors? Non, mais je me tire. Une aventure? Non, je me tire parce que je m'éclate là-bas quand il est Montpellier. Et c'est pour la musique? Non, je m'achète une basse, je suis une touriste. Ouais, ah, tu vas faire un peu de touriste, là-bas, tu reviens. Non, je m'éclate, quoi, c'est tout, quoi. Sinon, ouais, parce que j'en ai marre de trécier un peu, quoi. C'est ouais, normal. Tu peux voir autre chose, quoi. Ouais. Vous êtes content quand même que ça sort la semaine prochaine, non? Vous voudriez être tout seul. Combien ça sort? Attends, je t'en parle. Dis-moi, ouais. Ah, moi, j'articule pas à chaque fois, donc c'est le problème déjà, quoi. J'aime la compilation Montpellier, déjà, le départ, pourquoi on a participé à cette compilation, c'est que l'année dernière, ouais, chaque groupe recevait 1045 tours. C'est bien. C'était bien. Bon, cette année, ça se fait pas, donc on est dans le cul, quoi. Ah, vous n'avez pas de disque, donc? Non, déjà, il y a le disque qui sort, mais pas 1045 tours pour chaque groupe, quoi. Nous, ce qu'on voulait, c'est prendre des 45 tours, les boucher, faire des trucs avec, quoi. Bon, la compilation, elle sort, je m'en bats complètement, quoi, la compilation. C'est bien, là, on a fait 5 jours de studio gratos, tu veux. Oui, vous allez quand même quelque chose, vraiment. Le blé que.
Non, je le dis pas. Non, si je le dis, l'oublier que Fresh a foutu là-dedans, tu vois. Et la publicité que ça lui apporte nationalement, tu vois. Ah, tu penses que c'est un côté bien. Ouais, d'après, tu vois. Fresh te dit, ouais, putain, on va promouvoir le rock, on va faire un compilation de Montpellier, tout ce que tu veux, super, c'est gratos dans toute la France, tu vois. Ouais. Tout le monde va dire Montpellier, putain, super, putain, il y a des disques et tout, il y a des groupes de rock qui bougent, tu vois. Tu vois, Montpellier, tu vois ce qui se passe, t'as plein de bars qui sont cassés à la gueule, comme le. T'as eu le Filactère qui s'en fait bouffer par la mairie, t'as le Sardine qui est obligé de fermer à 10h. Ouais, à cause du bruit. T'as le Hippies qui concourt des merdes avec la mairie, tu vois, qui peuvent plus faire de concert maintenant, c'est fini. Ouais, mais si on fait rien du tout, c'est encore pire. Donc c'est pas bien, c'est sûr. Mais de faire quelque chose, de faire rien, quoi. Le problème, c'est que c'est une publicité que ça lui apporte. Ouais, tu prends pour ça. Et donc le M est un peu trop gros sur la pochette, en général. Non, même gros, pas gros. Oui, mais c'est bon. Alors après, on verra. Je verrai un peu d'autres. Non, mais c'est toujours, je veux dire, c'est vrai, quand on reçoit un groupe, on dit, tiens, vous avez fait quelque chose. Si on l'a fait, c'est pas pour la renier. Il sort mercredi de la semaine prochaine, c'est ça. On en parlera tout à l'heure avec Jean-Marc. Là,